Ils sont une vingtaine de collégiens à recevoir un prix pour leur œuvre « La femme mosaïque ». Cette classe de 4e du collège Célimène Gaudieu à la Saline Léo a remporté le premier prix Célimène Junior. Ils ont fait des portraits comme ils voulaient et on a verbalisé sur ces portraits, on a ajouté des touches de couleur. Chacun a utilisé la technique de son choix. Petit à petit, on est allé vers cette œuvre finale où il y avait du collage et du relief. Voilà. Sur le thème de la femme réunionnaise, ces collégiens ont représenté la femme dans toutes ses expressions. 6 heures de travail en collaboration avec l'artiste Laurie Baudet ont été nécessaires à la réalisation de ce tableau aux multiples facettes. À me représenter la femme sous d'autres formes, à me représenter ses valeurs, de me dire que les femmes c'est très important et qu'il faut les respecter. La réussite scolaire passe par l'appropriation de certains réflexes, de certaines envies, de certaines volontés, et à travers justement les arts plastiques, la poésie comme ce matin, ben nous offrons, nous excitons la curiosité des élèves, et à travers cette curiosité nouvelle, souvent ils obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Donc c'est tout le but de notre volonté au département, renforcer la réussite scolaire de nos collégiens. Le prix Célimène existe depuis 2005. Créé par le conseil départemental, il valorise dans le cadre d'un concours artistique amateur la créativité des femmes, mais aussi des jeunes.